Dans une interview accordée au magazine Gala, Florent Pagny a dévoilé le surnom que lui donnent ses voisins en Argentine, pays où il s'est installé il y a un peu plus de 20 ans. Depuis l'annonce de son cancer, Fort Pagny multiplie les confidences sur son combat contre la maladie et sa vie de famille. Ce jeudi 1er juin, le chanteur fait la une du magazine Gala, à qui il a accordé un entretien avec son fils Inca. Âgé de 27 ans, Inca Pagny a choisi de se dédier au street art. Une passion qu'il nourrit depuis sa plus tendre enfance, malgré le trouble dont il est atteint. Un jour, il nous a fait une tête de poisson très réussie avec des couleurs originales. Il pensait mettre du vert mais, en fait, il s'agissait de rose car Inca est daltonien. Il confond les couleurs mais ça rend ses créations très originales, révèle l'interprète de Savoir Aimer au sujet de son fils, dont il est très proche. On se voit beaucoup plus souvent qu'avant. On partage encore plus de choses ensemble. On profite l'un de l'autre, confie Inca. Florent Pagny, ce surnom que lui donnent ses voisins argentins ensemble, Florent Pagny et son fils louent un atelier à Garancières, dans les Yvelines, où ils partagent leur passion pour la mécanique, et où Nikos Aliagas les a rejoints pour les photographier et les interviewer. Durant cet entretien, Inca Pagny a d'ailleurs croisé un passant qu'il a reconnu et salué, avant d'entamer une conversation avec lui. Inca est beaucoup plus connu que moi, ici et ailleurs, a réagi Florent Pagny, avant d'expliquer que son fils sort plus que lui et est hyper social. L'ancien coach de The Voice a également révélé le surnom que lui donnent ses voisins en Argentine, pays dont est originaire sa femme Azucena et où il passe la plupart de son temps depuis plus de 20 ans. Dans les villages en Argentine, on me surnomme le français. Mais lui, tous les mômes l'appellent Inca, déclare-t-il avec fierté. Je suis fier de lui, de ce qu'il est devenu. Florent Pagny et sa femme Azucena fiers de leurs enfants Inca et à elle Florent Pagny est tout aussi fier de son fils Inca que de sa fille à elle, âgée de 24 ans, qui évolue en tant mannequin. Avec ma femme, Azu, on espérait très fort que nos enfants se comportent avec respect et bienveillance. Comme nous. Comme on aime. Et Inca comme tels sont de belles personnes. Vous savez, quand un des parents a un peu de notoriété, c'est toujours délicat. On flippe car les enfants sont souvent éclaboussés par le système médiatique. Mais je te l'assure, chez moi, ni l'un ni l'autre ne s'est présenté dans la vie en tant que fils ou fille de Florent Pagny. La petite phrase qui commence par « Tu sais qui est mon père ?» Pas de ça chez nous. Au contraire. Nos enfants ont toujours fait profil bas. Et naturellement.